Hey, salut les amis, comment que ça va bien? Eh ouais, on est encore là sur les routes de France, comme d'hab, hein, sauf que là, eh ben on est en Suisse. Et pourquoi on était en Suisse? C'est la question que je pose. Et là je vais la poser à un des deux qui était avec moi, le trio bien sûr, David, Julien, Fred. Donc, moi j'ai parlé maintenant, si vous voulez dire un petit message à nos amis, vos pensées, la petite journée sympa hier, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je vous écoute, les amis. Bon ben là, on revient donc de Suisse, on est toujours en Suisse d'ailleurs, nous étions donc sur un gala de catch, donc on a découvert la ligue de catch suisse, très bon spectacle, très bon moment dans un lieu unique, vraiment très sympathique, je vous conseille d'aller découvrir. Des amis qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps déjà, ça fait toujours plaisir l'accueil qu'on a reçu. Aujourd'hui le temps est comme nous, triste, il pleut. C'est vrai que le temps est possible. On a eu un peu tous les temps ce week-end, on est parti avec le soleil, on est rentré avec la neige, on a pris le brouillard ce matin, là il pleut. En gros on a pris les 4 saisons d'un coup, vous voyez. Voilà. C'était pas mal. David, qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée hier et puis soirée aussi, c'était pas mal. Bah écoute, moi ça a été une joie de retrouver la Suisse. Depuis le mois d'août 2012 qu'on n'y était pas retourné. La joie de retrouver nos amis, Alain, Carole, Antonio, non, je cherche pas du tout, si tu me laissais parler ça serait cool. Antonio et Christelle, ainsi que Étienne et Nathalie qui font partie justement de la Ligue Suisse, la Ligue de catch suisse qu'on a découvert et qui mérite d'être connue parce qu'il y a de très bons éléments j'invite tous les Français et tous les Suisses à suivre un gala de cette ligue. Voilà, tout simplement. J'ai vu, entendu dans la soirée quelques dates sur des galas, des concerts. Alors c'est un gala qui va se passer le 12 et 13 avril 2013 à Genève, qui va mélanger en fait catch avec la ligue suisse et le style de musique favorite de notre ami Julien de Photographix. Bien sûr, de musique très calme. Très calme, très calme, c'est que du métal. Que du métal, voilà, donc un mélange concert métal et catch le 12 et 13 avril à Genève, je pense que ça va être énorme. On a pu avoir la chance de rencontrer l'organisateur hier au Tacos Bar, donc peut-être éventuellement, qui sait, de futur. Dans de 5 km, à la sortie 17, continuez dans la deux voies de droite, Genève. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'on est en Suisse, ok? On ne m'étonne pas, on n'est pas comme ça. En fait, le GPS voulait parler lui aussi, et donc voilà, il a pris la parole. De toute façon, il faut l'égalité, bien sûr, entre l'homme et la femme. On est 3 hommes, ok? Et il n'y a qu'une seule femme, et en plus elle est dans une boîte. Voilà. Le pire, c'est que c'est les hommes qui suivent les femmes, la femme. Exactement, hein, si la femme vole et l'homme est perdu, par hasard. Bon, et ben voilà, mes petits amis, que dire de plus voilà, on va rentrer sur Saint-Étienne, on va se reposer, on va travailler nos vidéos. Parce que bon, c'est bien beau d'aller en Suisse, mais il y a quand même du boulot de fait quand même. Il y a de superbes photos qui ont été faites. Le gala, tout à préparer à monter. Donc, à la prochaine. Et on compte sur vous. Dans un kilomètre, nos petits à la sortie 17, continuez dans la deux voies de petite droite. Parenthèse, petite parenthèse, on lance un petit message à tous les fous. Les fous passionnés de photos, vidéos, pour rejoindre les teams Photographix, TAF Prod et l'IACA Club International. Voilà, plus on sera nombreux, plus on pourra foutre le bordel. N'hésitez pas. Voilà, le message est passé, n'hésitez pas. Contactez-nous sur Facebook directement. Et. La vie est belle. Oh. Allez, on fait un gros bisou à tous les Suisses, un bisou à tous les Français, à bientôt. Fais un bisou et puis on aura une annonce à vous faire très prochainement sur un projet qu'on a. Ouais, restez à l'écoute. Gros, gros, gros.
bouger de dingue, mais... Continuez 50 km jusqu'à la sortie. C'est secret. Restez à l'écoute. Et restez à l'écoute, Kébihédé.